Dans votre morceau de 20, par 25. Merci Natacha. Merci Dory. Vous allez faire, alors on va faire un encadrement comme l'autre coup pour évider. Non, pas dans ça, c'est dans le carton, pardon. Alors si je me trompe dès le début, ça va pas le faire. Alors, on va enlever 3,5 de chaque côté. Vous faites un repère à 3,5 de chaque côté. Oui, alors, là, vous prenez bien votre morceau de 20 par 25. Une fois que vous avez découpé votre carton, vous allez venir le coller sur votre morceau de 20 par 25. Donc une fois que c'est bien collé, vous marquez bien vos plis autour. Hop. Donc une fois que vous avez bien tout collé, au milieu ici, vous allez faire un repère de 1,5 tout autour. Donc, une fois que vous avez fait ça, dans les coins ici, vous allez plier, couper en biais, hop, dans les quatre coins. Oups, pas été droite. Hop. Et au repère que vous avez fait, vous coupez. Donc une fois que vous avez tout découpé là, donc normalement, ça se rabat à l'intérieur sur votre carton. Donc là, vous allez venir le coller et vous allez venir tenir avec des pinces pour que ça tienne bien. Alors une fois que pendant que ça colle, vous allez venir couper ici en biais. Attention à bien laisser à peu près 2 mm pour que votre coin soit beau. Donc pour ça, vous mettez le carton que vous aviez ici, vous le mettez là. Un petit peu pas trop au bord. Hop. Oups, ça n'a pas été droit ça. Hop. Et vous coupez. Les quatre coins comme ça.
Et là, on va faire la même chose au milieu. On va venir rabattre en appuyant bien. Et je vais vous faire un zoom pour l'angle, comment je fais. Hop. Donc, là, on rabat. On a bien mis, bien fait son trait à l'intérieur. Là, on rabat. On appuie bien. Là aussi. Et là, vous voyez, il y a un... Je vais remettre un petit peu plus près. Hop. Là, vous avez un petit plus en haut. Et bien, avec votre pointe, vous le faites rentrer à l'intérieur. Et comme ça, quand vous allez rabattre celui-là, vous allez avoir un coin parfait. Voilà, hop, avec Mickey bien sûr. Alors le côté qu'on va voir, c'est au-dessus ici. Là, ça sera collé. Donc si tu as dû avec du Mickey, tu peux le mettre la face voyante vers toi, comme ça. Là, c'est le devant et là, c'est le derrière. Donc là, on va coller au dos, coller notre rhodoïde.
Voilà, c'est bon. Ça marche. Voilà, vous avez réussi les filles? Là, il faut prendre A, B, C. Dans votre papier A. Donc, le papier A, c'est 17 par 21. On fait un pli à 1 cm à droite. Un pli, hein. Hop. Alors, dans le A, vous le mettez de côté. Vous prenez le B. Alors, dans le B, on fait un pli. Pareil, dans les 17 à 1 cm. Alors, toujours dans le B, en haut et en bas, on fait un pli à 2,5. En haut et en bas. Donc, à droite, nous avons notre pli de 1 cm. Là, ici, on retourne 2,5 et 2,5. Donc là, dans le A, j'ai coupé légèrement en biseau. Hein. Toujours. Et là, on va venir coller B sur A, sur le pli des 1 cm. Alors, bien aligné en haut et en bas. Hein. Alors, et là, alors je vais vous faire montrer, hop, ici et ici, hop, et hop. Ah, toi aussi Aurélie, tu t'es trompée. Donc là, alors je vais mettre bien, hop, là on doit bien voir normalement. Vous allez couper, donc là c'est votre 1 cm et là vos 2,5 ou 2 pour certaines. Vous allez couper en biseau là ici, pareil là, là et là. Et une fois que vous avez coupé vos angles, on va venir coller C sur B, sur les 1 cm du pli. Alors, en attendant que Catherine, elle recolle, dans les papiers A, et C, vous allez venir faire un pli à 8 cm. Donc, à C, 8 cm à droite et A, 8 cm à gauche.
Donc là, on va commencer à décorer notre papier. Il y aura du papier ici. Donc j'ai mis les croix, il y a du papier. Donc il y a du papier imprimé ici. Ensuite, un papier imprimé ici. Pas là. Là, il n'y en a pas. Faut pas en mettre. Donc là, ici, il y a du papier imprimé et il y aura une photo à mettre ici. Donc pour la shaker, elle va être ici. Vous allez comprendre après pourquoi on met un papier en dessous. En fait, quand on va l'ouvrir, ça va être comme ça. Donc, on va voir votre photo ici. Alors, avec les autres papiers que je vous ai fait découper, on va justement faire le système pour que ça s'ouvre. Avant de le papier imprimé, on va faire les petits plis, pardon. Alors, les petits papiers F. Prenez vos papiers F. Donc les 4 par 7. Alors dans votre papier F, vous allez venir faire un pli à 4 cm. Alors, je reprends un autre papier. Hop. Alors. Donc dans les 7 cm, on fait un pli à 4 cm. Et on fait un pli à 4,8. Hop. Donc, ça vous donne ceci. Et là, entre le 4 et le 4,8, vous faites deux plis en plus. Hop. 2, 3 même. Voilà. Hop, alors on va peut-être voir mieux de ce côté-là. Du coup, ça donne ça. Alors, vous marquez bien votre pli de 4 et votre pli de 4,8 et après, les autres, ils vont se faire automatiquement. Et vous refaites la même chose dans le deuxième. Donc dans le grand morceau de 4. Hein. Là, il y a 4 et là, il y a 4, le reste. Donc après, vous reprenez votre grand morceau et on va venir coller ces petits morceaux justement. Oublié. Hop. Hop. Oh, je ne vais pas. Voilà. À 6. C'est bon. On a trouvé. Donc, à 6 cm. Ou après, si vous voulez le mettre plus haut, vous pouvez. Mais moi, je vais le mettre à 6. Comme ça, il y a un bon 2 cm en bas. À peu près, hein? 1 cm, ouais. Et demi. Donc, vous collez cette partie-là, hein? La petite. Et pareil sur le mot oh, à 6 cm et à 1,8.
Donc là maintenant, vous pouvez coller votre papier. Donc moi, je vais mettre un grand ici, deux petites languettes et un grand papier pour ici. Donc ça, vous pouvez le coller tout de suite. Voilà. Donc là, vous allez prendre D et E du coup. Alors, dans D, on va venir faire un pli à 1 cm. Donc D, je rappelle le morceau, c'est 22 par 16. Donc on fait un pli de 1 cm dans les 22. Donc 22, il est comme ça. Hop. Donc on remarque bien son pli. Alors, une fois que vous avez bien fait votre pli, on va refaire un encadrement à 3,5 de chaque côté. Donc, comme tout à l'heure.
Alors là, vous allez prendre E. Donc E, on va venir coller E sur le pli qu'on a fait. Donc le pli de D. Là, au bout de E, vous allez venir faire un pli à 3 cm et un pli à 3,2 à peu près. Et ensuite, de votre bord droit jusqu'au pli, vous allez couper à 3,5. Vous coupez, vous faites un trait, et on va évider ce rectangle ici. Je coupe et je vous montre. Alors là, vous reprenez votre pièce base de tout à l'heure. Vous allez venir rabattre ça ici. Et ça, vous allez le poser ici. Alors, je vais faire de l'autre sens, moi. Comme ça, vous allez bien voir. Donc, normalement, vos plis correspondent ici et le pli ici aussi. Enfin, un petit peu moins là, ici. Comme ça, il y a un petit peu de jeu, en fait. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez rabattre le haut. Mais avant, vous allez rabattre vos petites languettes comme ça. Donc, je répète. On tient comme ceci. On passe les deux languettes là. On vient le mettre bien ras ici en haut. On referme ça dessus. On rabat ses languettes. Et là, on va pouvoir mettre de la colle. Alors, ici, vous allez mettre de la colle. Et ici. Et ensuite, vous allez venir coller votre carré dessus. Enfin, votre rectangle, pardon. Donc, on les tient bien et hop, on vient mettre dessus. Hop là. Et on appuie pour que ça tient. Donc faites bien attention que ça n'a pas débordé sur votre papier. Voilà, vous laissez bien sécher.
Donc vos languettes, elles sont toujours là. Donc une fois que c'est bien collé, normalement, quand vous tirez dessus, ça monte. Alors, hop. Normalement, hop. Et voilà. Donc après, il y aura votre shaker dessus. Donc normalement, hop. Alors, on va bien le centrer. Normalement, ça reste. Tant que le shaker n'est pas encore bien collé dessus, il faut du poids. Donc là, on va venir coller la grande shaker dessus. Donc là, notre page, elle est finie. Il vous faut mettre un papier imprimé ici. Là, ici, il vous faut un petit papier. Et là, je vais mettre deux petits œillets avec un petit ruban. Donc là, il vous faut un morceau ici. Et après, pour venir le coller, donc au dos de celle-ci, donc vos plis, hop, vos plis sont bien à droite. Vous allez venir rabattre vos petits repères et vous allez le mettre dessus. Et après, du coup, ça vous fera comme ça sera retenu que par le haut et le bas. Alors, mon petit papier de tout à l'heure, il est là. Hop. Hop. Donc, une fois que ça sera collé sur votre page, là, vous pouvez glisser des petits tags de chaque côté. Et du coup, avec mes bandes ici, ça va cacher mes petits œillets. Comme ça vous fait deux emplacements photo plus des cachettes en dessous. Alors, donc, je vais venir découper ici, j'avais dit. On va refaire un petit cadre.